aujourd'hui, on revient avec un outfit of the night. On va vous présenter chacune un article plutôt festif. Ouais. Et du coup, cet article, bah, on va l'appliquer sur une tenue pour sortir le soir. Et donc, la première partie de la vidéo se déroulera chez moi. Et on va finir par sortir dans un endroit très atypique qui, je pense, va vous plaire. Et on va vous montrer la tenue portée sur chacune d'entre nous. Voilà. Là, je vais vous présenter un legging pantalon couleur aluminium chrome. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous le montrer tout de suite. Donc il est de cette matière. Voilà. Mais genre juste ouf. Par contre c'est très désagréable à porter, c'est-à-dire que ça fait ça là. Les années 80. Ignoble. Non, voilà. Elle est injuste parce qu'en plus à l'intérieur il est fourré, il est trop. Donc voilà, donc à l'intérieur oui, donc il est fourré. Genre en daim, mais c'est trop doux à porter. Et oui, donc par contre faut pas avoir des très grosses cuisses parce que comme je vous le disais là, à l'entrecuisse, ça colle. Donc il est comme ça. Voilà, des petits zips en bas. Alors par contre je tiens à signaler, c'est mon deuxième, le premier je l'ai cassé. Donc une fermeture ici. Mais une fermeture, je sais pas si vous voyez, mais genre... invisible en fait. Vous savez les fermetures de merde là? Les trucs qui se cassent en deux. Non, c'est des fermetures invisibles en couture, mais c'est de la merde. Ouais, mais c'est haché quoi, donc... Déjà pour défaire, voilà, bien tenir. Même pas. En fait, il faut tenir les deux comme ça, mettre le doigt, et après tirer. Et ça vient d'un coup. Voilà. Mais c'est super... L'expert. Ah, parce que moi je couds, mais sinon c'est de la merde quoi. Donc voilà, c'est de la grosse merde. Donc la première, c'est-à-dire que je l'avais complètement pété. C'est-à-dire que j'allais remonter et elle s'était ouverte en deux là, comme ça. J'étais mais happy. Dans un voilà, happy, donc comme vous pouvez le voir, il fait. Vous pouvez le voir, donc ça vient de chez Zara. Voilà, et petit détail sur le cucu. On the back. Des petites fausses poches qui rendent très sexy sur la tenue portée. C'est mais divin. Voilà, voilà, donc vous avez des petites coutures là, pareil, devant, sur les genoux, c'est vraiment très sympathique pour sortir le soir ou même la journée, hein, si vous avez envie, mais... Non, mais c'est... Enfin, après, c'est assez sobre parce que la couleur est assez passe-partout, c'est quand même du gris, de l'argenté, donc vous pouvez vous permettre de porter ça. Alors, moi, mon article, parce que j'adore les baskets et depuis quelques temps, j'en porte énormément, ça sera les No Name blanches et argentées, pailletées. Voilà, elles sont comme ceci. C'est du 36 forcément, hein. Les pieds de cendrillon, voilà. Et donc celles-ci, je les ai eues grâce à ma belle-sœur. D'ailleurs, je trouve ça plus joli sur des petits pieds. Oui, parce que sur des grands pieds, ça fait plateforme. Ça fait pas plateforme, ça fait palme. Et en fait, ça fait pas joli, ça fait pas mignon. J'ai eu ces chaussures grâce à ma belle-sœur qui me les a revendues. Donc c'est des No Name, c'est la vraie marque, ça coûte très cher. Enfin, pour des baskets, c'est cher, je trouve. Après, c'est de la super qualité, vous avez le pied qui tient bien. Ça tient, les paillettes tiennent, vous pouvez vous permettre d'aller sous la pluie avec ça, il n'y a pas de problème, vous serez imperméabilisé. Après, j'ai les mêmes pour les petits budgets, j'ai les mêmes de la marque Victoria, qui sont argentées et noires, en fait, sur tout ce qui est caoutchouc et lacets. Elles sont magnifiques, c'est mon copain qui me les a achetées, et je les adore. Donc voilà, j'ai pris plutôt celle-là parce que je voulais du blanc dans ma tenue que je vais vous présenter. Mais j'adore celle-ci ainsi que les Victoria. Et les Victoria coûtaient quasiment 80€ de moins ou voire même 90. Donc c'est quand même pas négligeable. Controller, yeah, like controller, controller, yeah, like.
like controller, controller, controller. On espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. On a pris beaucoup de plaisir à la faire. Quand ah même, ouais, donc énormément. Là, super. Vraiment, on a tenté quelque chose. On a essayé de faire quelque chose d'un peu nouveau, de sortir de chez nous. On espère que ça va vous plaire. On est levé tôt pour ça. Ouais, très très tôt. On espère du coup que ça va vous plaire. On va vous laisser. On n'oublie pas de s'abonner. Le bouton est ici. Bisous, ciao.